Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel analyse de morceaux et j'ai choisi un morceau de Mötley Crüe qui s'appelle Home Sweet Home. Alors ce morceau est extrait de l'album Theater of Pain. En voici la pochette dont j'avais le vinyle quand j'avais 13-14 ans et c'est sorti en 85. Alors c'est ce que l'on appelle une power ballade, bon bref, c'est, l'appellation m'importe peu. Moi ce qui m'importe dans ce morceau, alors vous allez voir, il n'y a pas beaucoup d'accords, mais on va quand même avoir deux, trois petites choses intéressantes au niveau de l'harmonie encore une fois, et on parlera du coup aussi un petit peu d'improvisation. Et je vous propose de suite d'écouter le morceau. Alors j'ai choisi une version live que j'aime bien, le piano me plaît beaucoup. Je parle du piano utilisé dans cette version live. Allez, on écoute le morceau. That's what I'm talking about. Here we go, you ready? 2, 3, 4. You know, I'm a dreamer, but my heart's a go. I had a runaway high, so I wouldn't come home low. Just when things went right, doesn't mean that I've been wrong. Just take this song. You'll never be left all alone. Take me to your heart. Feel me in your bones. Just one more night, and I'm coming off this long and winding road. I'm on my way. I'm on my way. Oh, home sweet. Come on, help me count it out. Ready? Ready? Count it out. Ready? 1, 2. You know. Too many romantic dreams, open lights, falling water, silver screen. Oh, my heart's an open book for hope where to read. Sometimes nothing keeps me together. See, I'm on my way. I'm on my way.
going to sound great tonight. Here's the hard part. Help me out if you can on this one. You sound so nice, huh? Toronto, thank you so much for coming out tonight. Thank you for being a part of our big night tonight. Good night. And always, God bless. Thank you. Good night, man. Come on, set up the goalpost. I'm going for three. Boom! It's good! Ok, la version studio est un peu plus rapide, hein, mais bon, c'est pas le souci. Donc là, j'entends clairement une descente de basse. On va d'abord écouter la basse. Basse piano, hein, ou basse basse. Donc Do. Si. Si bémol. Do. Et à la main droite, on entend bien le Do majeur. Donc là, le riff, hein, c'est pas ce qui m'intéresse dans ces analyses de morceaux, hein, mais bon, on a l'accord de Do. Alors ensuite, ce deuxième accord, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, à la basse, c'est un Si. Et à la main droite, on a Si, Mi, Sol. Donc Mi, Sol, Si. C'est un renversement de Mi mineur. Sol, Si, Mi, Mi, Sol, Si. Donc, première indication, on a Do majeur, puis Mi mineur.